En France, 7 séropositifs sur 10 déclarent avoir subi des discriminations au cours des 12 derniers mois. Un phénomène méconnu que Maryse a traversé sans s'y attendre. Le fait que certaines personnes ont su que j'étais peut-être séropositive ou peut-être malade, on m'a mis un peu à l'écart de beaucoup de choses, surtout au niveau du travail. On m'a mis à l'écart au niveau de la relation affective. Donc je suis célibataire sans enfant. Cette discrimination s'appelle la sérophobie. L'isolement est inévitable pour de nombreux séropositifs. Maryse a trouvé du réconfort auprès de l'association AIDS. Ce soir, elle retrouve les militants auprès de qui elle s'engage depuis plusieurs années. AIDS, c'est une association qui voit avant tout l'humain. Le fait d'être ensemble, ça me réconforte et je vois que certaines personnes ont passé les mêmes épreuves que moi. Une solidarité pour rompre l'isolement. L'association mène régulièrement des campagnes de lutte contre les préjugés, particulièrement fort en Guadeloupe. C'est vraiment lié à un manque d'information. Les personnes s'imaginent qu'on peut transmettre le VIH en jetant des sorts, en ayant un contact avec une personne, en partageant sa vaisselle, en allant dans les toilettes avec la personne ou en s'embrassant simplement. Et c'est ce genre de mésinformation qui crée la sérophobie. Le soutien de AIDS a permis à Maryse de garder la force de se soigner. Sa maladie est aujourd'hui indétectable et intransmissible.